final, les gars, je pense que vous êtes tous là dans votre tête à se dire on va la gagner. Je sais pas. Parce que si aujourd'hui vous êtes là et vous n'avez pas envie de la gagner, bah, vous n'avez pas envie de faire une finale. Donc on peut avoir tout le discours qu'on veut. Je pense que c'est vous. C'est vous les maîtres. C'est vous sur le terrain. C'est vous qui allez décider de votre match. C'est vous qui allez décider si on va gagner ou pas. C'est vous. Et vous seul. Nous, on sera là pour vous accompagner. On sera là pour vous démentir. On va dire que c'est l'aboutissement de toute une saison, messieurs. De toute une saison. On a fait des choses, début de saison, un peu plus compliqué de mettre en place. Et au fur et à mesure, on a avancé, on a progressé, on a travaillé. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Il y a eu un choix, les gars, à faire. 14 joueurs. Vous êtes là, présents. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Il faut le montrer sur le terrain. On vous a mis dans les meilleures conditions. Donc, il faut qu'on soit juste dans ce qu'on fait et il faut qu'on soit rapide dans ce qu'on fait. OK ? Tout par le jeu aujourd'hui. OK ? Et on gagnera que par le jeu. C'est clair ? OK ? Oui, pour tout le monde ? Allez, on y va. Dernier match de l'année pour nous, pour vous. Je pense que c'est un bon moyen de clôturer la saison. Alors, on a fait une belle saison avec les 16, ils ont fait une belle saison, ils sont occupés aussi. Aujourd'hui, on en finale beaucoup. Je pense que la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est que plus on ramène. Okay. On a des choses à montrer au club, aux gens qui sont venus vous voir, à nous, à vous. Tout le monde a des choses à trouver aujourd'hui. Et on va prouver ensemble. Okay. Donc sur le terrain, il y en a qui baissent la tête. Il y en a qui baissent la tête, on lui relève la tête. Okay. Les remplaçants qui vont rentrer là. Pareil. On défend ensemble, solidaire, soutien, on défend ensemble. Aujourd'hui, ça va être une équipe physiquement et athlétiquement qui est très au-dessus. Athlétiquement, ça va être dur, mais on peut le faire si on est ensemble. On récupère rapidement le ballon, ensemble. Personne qui jette, personne qui fait le con. On construit, on pose, on se presse, passer une finale, pas de pression, les gars. Moi, je vous le dis, j'ai confiance aveugle en vous. Je pourrais vous laisser partir jouer sans rien vous dire. Je sais que vous allez le faire. Maintenant, à vous de ne pas nous décevoir aussi. Ok ? Ça va jouer à des détails, d'accord ? Ces matchs-là, c'est que des détails. Si on fait tous les efforts, tous ensemble, je pense que ça va le faire. Alors, comme vous a dit Isma, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si on prend le match à 0, ça va être facile, non. Ça ne va pas être facile. La première à la 90e, même à la 95e, on doit tout donner. Tout donner. D'accord ? On a des mecs sur le banc qui peuvent rentrer. Si ça ne va pas, on change. D'accord ? Mais il faut tous donner. C'est une finale, d'accord ? Il n'y en a pas 150 dans une saison. Vous pouvez la faire, mais donnez tout. Donnez tout, d'accord ? Et ça commence dès maintenant, dès le vestiaire, d'accord ? Quand on sort, on est à fond, tous, tout le monde, d'accord ? Tout le monde. Il n'y en a pas un qui baisse la tête, il n'y en a pas un qui regarde le copain et se dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, non, on y va, on avance. Nous, on doit l'assumer par notre jeu. Et si on gagne, et si on perd, c'est que par notre jeu. Que par le jeu. Ok ? On est bien clair là pour tout le monde ? Oui. Tout ça ? Oui. Allez. Allez. We'll be right back.
c'est si vous faites un coup, on ne peut pas se satisfaire que de ça. À tout à l'heure, je vous l'ai dit. Adaptez-vous au terrain, oui, c'est pas facile. Et on joue 3 à 2 à l'heure, on a le ballon, on fait 15 touches. 15 touches par joueur, 15. Parce qu'on ne veut pas jouer simple. Et alors nous, on me dit, il n'y a pas de solution. Mais oui, parce que ce qu'on fait, on ne court pas. On ne court pas. On ne court pas. Je vous l'ai déjà dit, 90% du football, il faut courir. Voilà. Il faut courir, il faut se déplacer. C'est pas des U16 en face. Je vous l'ai prévenu, oui ou non, hier? Allez, voilà. Je vous l'ai prévenu. Donc forcément, oui, ils vont avoir un peu plus d'intensité. Ils vont être un peu plus dans le duel. Nous, on a fait plus de fautes qu'eux parce qu'on les fait bêtement. Soyez malins, on n'est pas malins. Et après, dans le jeu, plus vite, monsieur. Plus vite. Plus vite. Il faut qu'on soit efficace. Dans les derniers jours, je vous l'ai dit, un détail. On a eu un temps faible, on l'a bien géré. Bon, les gars, plus, plus. Jouez plus simple, plus vite, déplacez-vous. Demandez le ballon. Là, sur les 10 dernières minutes, c'était beaucoup mieux. Cette deuxième mi-temps, on ne peut pas la lâcher et se dire on va perdre. D'accord? Il faut rentrer sur le terrain pour gagner. D'accord? Du début jusqu'à la fin. Les remplaçants, les mecs qui sortent, c'est pareil. Ça va être le bon état d'esprit. Ça va être le bon état d'esprit. Ça ne sert à rien. D'accord? Il faut tout donner. D'accord? Et tout le monde. Je rentre, je sors, je donne tout. Je fais des courses, je cours. J'ai le ballon, je joue simple. Efficace, soyez efficace dans ce que vous faites, d'accord? Efficacité et agressivité. Pas avoir de regrets, les derniers matchs, c'est peut-être qu'on les a fait. On n'a pas le droit. On peut pas terminer là-dessus et se dire, ah merde, on a raté ça. Il y a la place. Mais il faut qu'on soit costaud défensivement et offensivement, il faut qu'on fasse plus. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui, allez.